Bonjour. Saint-Aubin-Union a été créé en 2009 à l'initiative de Madame Nicole Drouillet, qui était le maire de Saint-Aubin à l'époque, et de manière à prévoir et organiser le rassemblement des Saint-Aubins d'Europe. Parce qu'en 2009, on a eu l'occasion d'aller dans un autre Saint-Aubin de Cadelèche, dans le sud de la France, et nous avons apprécié cette organisation. Donc on avait pris la décision d'organiser le Saint-Aubin d'Europe à Saint-Aubin-sur-Gaillon en 2012. Le but de Saint-Aubin Union, c'est de provoquer des rencontres, alors de provoquer des rencontres culturelles, des rencontres sportives, des rencontres scolaires. Voilà, donc c'est vraiment le but, c'est vraiment rencontrer des personnes et de protéger et de prémouvoir notre patrimoine, le patrimoine de la commune. L'association des Amis de l'Église Saint-Aubin, cette association a pour objet d'assurer la promotion et de contribuer à la sauvegarde de cette très belle église, particulièrement originale avec son clocher. Est un clocher de tor, c'est-à-dire qu'il tourne d'un huitième de tour, et ce qui lui donne une silhouette très caractéristique. En même temps, notre église, c'est vraiment le centre et l'image et l'emblème de notre commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon. C'est pour ça que nous sommes heureux de rassembler toutes les bonnes volontés pour contribuer à cette promotion et à cette sauvegarde. Et notamment, donc, aujourd'hui, nous sommes actifs en soutien sur un certain nombre de travaux. Il y a des travaux qui ont été engagés pour rénover les parties extérieures, les murs extérieurs de l'église. Ça a commencé en 2020, ça va se poursuivre en 2021. Et d'autre part, nous avons un grand chantier très important qui est celui de la réfection de la couverture du clocher. Donc l'association La Pépinière des Parents est une association de soutien à la parentalité. Donc on souhaite soutenir les parents dans une recherche d'harmonie, de soutien familial, de bien-être au quotidien avec les enfants, à travers des ateliers de parents, des ateliers aussi pour les enfants sur la confiance en soi et des ateliers de portage et de conseils en allaitement. Pendant les ateliers que moi j'animerai, il y a ce livret qui est fourni, cahier de travail pour les parents, dans lequel il y a des BD pour illustrer les propos, les prises de conscience et des exercices. Alors nous sommes le club informatique, nous le représentons, de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Le club existe depuis 2002. Actuellement, nous proposons 5 ateliers différents. Donc un atelier d'initiation, un atelier de perfectionnement, un de retouche image, un de montage photo et un de montage vidéo. On part de ces éléments-là, on fait différentes actions pour finir par faire ça. Là, c'est un peu la même chose. Donc ça, c'est tous les éléments qu'on prend et on finit par faire ça. L'association Les Coquelicots de Saint-Aubin, donc c'est une jeune association qui vient de se créer sur Saint-Aubin depuis très récemment. Et nous avons pour but de faire des ramassages de déchets sur la commune. Et nous avons le projet futur de faire prochainement des ateliers de recyclage de papier, d'objets, par exemple des éponges, des choses comme ça. Avec les enfants comme avec les adultes, on voudrait travailler aussi avec la garderie de l'école, avec local, le centre de loisirs. On voudrait aussi projeter de faire une journée d'échange de graines, donc de troc aux plantes ou des choses comme ça avec le village. On voudrait travailler également sur des visites faunistiques sorties nature avec les enfants. Et puis plein d'autres projets qui nous tiennent à cœur liés à l'environnement. Association Let's Go Ensemble, créée depuis 3 ans sur Saint-Aubin-sur-Gaillon. On accueille tout public, hein, des petits aux grands, du calme zen au cardio training, avec déjà ici 3 coachs. Karine, pratiquement plus sport, santé, bien-être. Et j'ai que le bien-être en fait, parce que j'ai la sophro là. Et moi les enfants, Hélène, donc vous avez Karine, Delphine. On a fait un petit cours de training ce matin avec l'Adji.
Et puis, il faut venir nous rencontrer pour toutes les disciplines qu'on peut avoir, qui sont là, le smoothie ou le postural. On a la Zumba, on a du yoga, on a J'aime mon dos, prendre soin de soi. On a la sophrologie. Sophrologie collective, voilà, pour apprendre à gérer son stress. L'association en fait propose des cours différents, c'est-à-dire que nous souhaitons en fait aborder l'activité physique pour tout le monde et entre guillemets proposer des cours qu'on n'a pas dans d'autres structures, comme par exemple l'activité gym poussette ou l'activité, comme vient de le dire Violaine, sur des activités de moving English. Donc on va partager nos compétences et pouvoir proposer des séances physiques et sportives adaptées à chacun et à chacune en fonction de son emploi du temps. Donc nous sommes les Guidons à crampons d'Aubevoie. C'est une association de vélo tout terrain. Le but, c'est de rouler tous ensemble de 7 à 77 ans tous les dimanches matins, d'organiser des événements et d'aller sur des sorties extérieures, faire des voyages itinérants. Et former les jeunes aussi. Le but, c'est de rouler avec les jeunes, de leur montrer les bons gestes pour rouler en sécurité, pour se faire plaisir dans les chemins. On a aussi un secteur où on s'occupe de récupérer des vieux vélos en accord avec la déchetterie d'Aubevoie pour les remettre en état afin de les proposer à un prix très 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 modique à des gens qui sont en phase de réinsertion, qui sont là pour progresser, et donc le vélo est un outil pour eux de déplacement indispensable. Bonjour, nous sommes un club de triathlon, le TVT, le Team Valeur Triathlon. Nous sommes domiciliés donc sur la ville de Gaillon. La saison dernière, nous étions environ 110 licenciés, avec la particularité d'avoir à peu près 38 à 40% de féminines. Donc une bonne représentation, voilà. Les âges, au niveau des âges, ça commence. Donc nous, notre club, on a des jeunes aux environs de 7 ans jusqu'à 60, un peu plus de 60 ans. Sinon, le triathlon est accessible à partir de 5 ans. Donc le triathlon, c'est quoi? C'est trois sports enchaînés. C'est de la natation, de la course à pied et du vélo. Les cours de yoga existent depuis 2000, Saint-Aubin, depuis les années 2000. Au début, on avait un professeur qui était un professeur, un homme. Et puis après, bon, il a décidé de plus faire. Donc c'est Touria qui l'a remplacé sous ses recommandations. C'est tout âge. D'accord. Pas les enfants. Pas les enfants pour l'instant, on n'a pas de cours spécifiques enfants, mais c'est tout âge le yoga finalement. De par ma formation, je peux adapter, donc c'est pas nécessaire que le groupe soit homogène, parce que j'ai suivi une formation de Vini Yoga, yoga thérapie, donc j'adapte. Et j'ai une formation de Hatha Yoga traditionnel, mais vraiment Shivaïti traditionnel. Donc voilà, tout ça, tout ce bagage, ça me permet d'adapter au groupe ce qu'il y a. Et puis le yoga, on pratique pour soi, on pratique avec les autres, mais on pratique en fonction de son corps, en fonction de sa respiration, en fonction de ses capacités de focalisation. Donc ça reste quand même si on est en groupe, en pratique en groupe, il y a l'énergie du groupe, ça reste quand même individuel. Tout d'ailleurs, association de théâtre de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Donc nous sommes installés sur la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon depuis 2010. Nous proposons des ateliers enfants, ados, adultes sur Saint-Aubin et sur la commune d'Aï également. Et nos ateliers sont clôturés par des spectacles de fin d'année, donc on fait à Saint-Aubin-sur-Gaillon et à Gaillon. Donc bonjour, je m'appelle Anne-Laure, je suis la présidente de l'association Eclairci Studio qui réalise des films, des projets amateurs, courts, moyens et longs métrages, et également des teasers vidéo pour des structures, des associations, des entreprises, etc.
On fait en moyenne au moins un film, voire deux quand on peut, par an. On fait participer des enfants, des adultes, des seniors, voilà, même des tout petits. Et on essaye de faire au moins une projection chaque année à la salle des fêtes. Donc voilà, donc on est Imagé 127 et donc on fait la promotion du cinéma et des métiers du cinéma dans l'heure. Et on expose des photos. Le président aussi fait de temps en temps des expositions dans des écoles, chez les personnes âgées, enfin d'accord. Voilà. Donc nous sommes les radios amateurs de l'Eure, donc association qui fédère les radios amateurs du département de l'Eure. Donc notre activité, c'est de communiquer entre nous par radio et donc nous faire partager notre passion pour la technique et toutes les facettes de la communication. Donc pour être radio amateur, il faut passer un examen qui est organisé par l'administration de tutelle. Et donc, nos radioclubs préparent les candidats à l'examen qui permet de devenir radioamateur. Une école du département, donc des Andelys, a été sélectionnée pour faire un contact avec Thomas Pesquet lors de son prochain séjour dans l'ISS. Et ce sera le radioclub de Vernon, donc qui est fédéré par les radioamateurs de l'Eure, qui assurera les liaisons avec la station spatiale. Est devant une station de poursuite de satellites. Donc elle est actuellement calée sur un satellite qui est au-dessus du Kamchatka et qui va passer d'ici une vingtaine de minutes au-dessus de Gaillon. Bon, je me présente, je suis Frérot Denis, président de l'association d'étudiants d'antan. Cette association a été créée en 2012, il y a 8 ans, et officialisée au journal le 1er septembre 2012. Nous récupérons, le but de notre association est de récupérer du matériel d'incendie, de le restaurer, de l'entretenir pour l'exposer comme aujourd'hui sur ce magnifique forum. Nous avons nos véhicules, nos pompes à bras individuelles, nos casques, les livres qu'on a recouverts parce que ça goûte. On a des modèles réduits là-bas. Et on a un effectif de 35 membres adhérents, 52 membres bienfaiteurs et 45 membres donneurs, ce qui fait plus d'une centaine de personnes à l'effectif de l'association. La bébête là, justement. Bon, ça c'est un véhicule Mercedes qui date de 1980. Alors, cette goélette appartenait aux pompiers de Saint-Georges-Motel. Alors, c'est notre grand-mère, elle date de 1889, elle a 131 ans cette année. Ouais. Je voulais dire que d'une manière générale, tout le matériel qui est présenté ici aujourd'hui a été offert. On n'a pas un seul véhicule qu'on a acheté. Avec cette petite vidéo sur les associations, vous avez déjà un aperçu de ce qu'on fait en termes de montage promotionnel. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous retrouver sur Facebook sur la page Éclaircie Studio. Voilà, et on est très content d'être au forum des associations de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Déjà parce que c'est notre commune, c'est une belle initiative de la nouvelle municipalité. Ça donne un peu d'espoir sur le monde associatif, sur la suite par rapport au Covid. Donc c'est chouette. Merci.